Bon matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, nous allons entamer une nouvelle semaine. Nous sommes lundi 30 octobre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Et j'espère que vous avez passé un joli week-end. Nous allons encore continuer avec ce magnifique oracle, s'autoriser à être soi. S'autoriser régulièrement à prendre du temps pour nous et identifier eh bien, nos entraves pour mieux accueillir nos ressources et révéler le potentiel merveilleux qui sommeille en nous. Et je terminerai toujours par ne plus avoir peur, cette petite carte qui termine ce tirage d'aujourd'hui. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Tout passe par la pensée. Vous répétez cette phrase 3 fois. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé « Dis ta joie ». Et c'est une carte qui est le 5e chakra. Sa couleur, elle est bleue. Et c'est le chakra de la gorge, qui est évidemment situé à la base du larynx, n'est-ce pas? Et il est le siège de la communication, de l'expression et de l'échange. Il est le moyen d'extérioriser tout ce qui se vit en soi. Lorsque ce chakra de la gorge est harmonieux et bien équilibré, il permet eh bien, d'exprimer librement les sentiments, les émotions, les pensées par les mots, les gestes ou la créativité. Bon orateur, en parfait accord avec votre petit cœur, vous captez aisément l'inspiration pour transmettre sagesse et vérité autour de vous. Lorsque ce chakra circule mal, lorsqu'il n'est pas harmonieux, eh bien, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué pour parler de votre vie intérieure et vous vous en tenez souvent à l'intellectualisme et au rationalisme. Vous êtes, pour certains d'entre vous, timide ou au contraire dans un flot ininterrompu de paroles. Vos émotions réelles, eh bien, restent coincées dans la zone de la gorge et vous avez tendance à vous sentir en total décalage entre votre monde intérieur et votre vie extérieure. Soyez plus dans l'expression de vous-même en accord avec votre petit cœur, n'est-ce pas? Alors il y a une solution, bien sûr, il y a une solution. Il y a une solution à tout et lorsqu'il n'y a pas de solution, c'est que le problème est dans notre tête et qu'il n'existe pas. La solution, le verbe créateur est porteur de liberté. L'expression de votre vérité est sacrée. Il faut apprendre à vous exprimer en accord avec votre petit cœur pour communiquer cette vérité ou ces vérités que vous avez à dire. Dis ta joie dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis ou dans tout ce à quoi tu penses. Aimez le plus souvent possible de la joie, de l'optimisme et de la positivité. Si maintenant vous êtes fermé, vous allez refléter cet enfermement. Les mots sont porteurs, n'est-ce pas? Ils sont porteurs de sens et de vibrations. Et lorsque, on est
dans une belle vibration, dans de belles énergies. On s'ouvre aux autres, on s'ouvre à soi, on est joyeux, on est bien, on est gai. Si tu te répètes des affirmations négatives, eh bien, ben tout simplement, elles auront un impact tout autant négatif sur toi. Et elles généreront des émotions, mais des émotions très négatives. On t'invite à n'employer que des mots joyeux, positifs, rayonnants. Et sois dans la joie pour tout, réellement, n'est-ce pas? Réjouis-toi des petits riens, de la couleur du ciel, du rire de ceux que tu aimes, un bonjour d'une personne, de l'odeur d'un bon petit plat, un sourire d'un enfant, la joie, c'est ce qui te reste quand tu n'as plus de doute. Et le doute, eh bien, c'est ce qui t'empêche d'avancer dans la vie. Alors cette carte, elle t'invite de ne plus avoir de doute, plus jamais, de ta capacité à être heureux. Sois dans l'allégresse. Sois dans l'enthousiasme. Tu sais, si la joie règne dans ton cœur, eh bien, l'amour y aura sa place. Et alors, eh bien, tu auras des ailes pour voler vers ton rêve ou vers tes rêves. Quel beau message, n'est-ce pas, pour commencer cette semaine. Oh, je suis toute émue, là. Hein? Voilà. Je termine avec ne plus avoir peur. Je suis bête d'avoir peur. Cette mauvaise opinion que j'ai de moi-même n'est qu'une idée. Ce n'est pas moi. Ce que nous percevons n'est qu'un aspect de la réalité. Et non la réalité elle-même, notre perception de nous n'échappe pas à cette règle. Voilà le message. Je vous souhaite une excellente journée, un bon début de semaine. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien et moi je vous embrasse tout fort. À demain.